Salut les gamers! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Tristan au Moyen-Âge pour une nouvelle partie, un nouvel épisode. C'est parti! Venons de récupérer la bague, nous allons la porter à la châtelaine. Certes, mon ami. Ce que vous me dites là est bien profond. Mais comment avoir la certitude que vos dires sont bien les bons? Ma bite et tu verras. Oh, c'est quoi ce vocabulaire? C'est indécent. Il est passé à travers le mur. Tiens, il fait plus son petit tricot là. Si elle tricote son tricot. Eh bien, petit, as-tu quelque chose à me donner? Oui. Sinon, t'aurais pas changé de place. Tiens, ta bague de merde. Oh, comme je suis heureuse de l'avoir retrouvée. Où était-elle? Dans ton cul. C'est un secret, madame. T'as pas osé le dire dans ta chatte. Oh! Bien. Je vois. Alors. Comment je pars trop vite? Je cherche un dragon qui se cache dans la forêt. Aidez-moi et le royaume sera sauvé. Tu es courageux, n'est-ce pas? Non. Alors je te donne ce traité d'amour courtois. Il contient les règles élémentaires pour apprivoiser le cœur des femmes. Sois fort. Et surtout, fais-en bon usage. Je vais me torcher le cœur. Comment je parle mal? Oh là là, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Oh là là, tu parles trop mal ici. Oh, il s'en fout totalement de la royauté. Bah tu sens ou tu glandes? Allez. Ah non, mais c'est jeune. Moi, il faut que je traverse toute la map du coup. Oh ta gueule le corbeau. Eh, y a pas moyen plus rapide là? Je vais voir la carte. Voilà, ouais, ok. Je pense que ça va téléporter. Allez, quoi d'autre emplacement? Là, je peux pas y aller. Allez, soit là, soit la tour, ok. Ok, bon alors. J'ai votre amour courtois. Avance. Bon, sinon on va parler philosophique, hein. Bon voilà, alors moi vous savez que les Templiers les assassinent, hein, parce que je joue à Assassin's Creed, hein, voilà, bon, hein. J'ai tout ce qu'il faut pour traverser la forêt. On y va? On y va! En route pour l'aventure! Tristan réussit à quitter la ville pour retrouver le mystérieux dragon. Avant de se quitter, les Templiers lui donnèrent un curieux faucon du nom de Sakaar. Tristan se sentait fort et prêt à se mesurer à tous les obstacles qu'il pourrait bien rencontrer. Mais se doutait-il de ce qu'il trouverait dans la forêt? Chouette, les cinématiques sont ouvertes. Super. Je ne suis pas un perroquet, faut pas confondre. Ok. What? Réfléchis un peu. D'accord, lui, j'aurais jamais dit en fait. J'ai pas tout capté ce qui vient de se passer. Bon, bref. On va aller voir par là-bas. Je lui réponds, hein, sinon on se casse un peu chier. Alors bon, écoute, hein, voilà. Comment dire que... What the... Les abeilles? Cette vue ne sert strictement à rien. Bah mais va pas là-bas, y'a rien du coup. Voilà. J'ai juste senti, ouais, un petit champ de... Un petit champ, voilà.
de maïs, je suppose, j'en sais rien. De blé, de... Voilà, un petit champ qui sert à rien, juste histoire de dire, ouais, ils ont... les gars, ils ont bossé, ils ont fait des décors, ouais, voilà. Hey, retour où j'étais tout à l'heure. Bon, ben, on va rentrer hein, directement, on va pas te chercher. Oh, une demoiselle. Comment ce jeu n'est pas linéaire? Qui va là? On ne traverse pas la forêt sans mon autorisation. Ah, te voilà. On m'avait bien dit qu'il y avait une reine de la forêt. Ici, c'est chez moi. Retourne d'où tu viens. Certainement pas. Je suis apprenti chevalier et je dois traverser la forêt pour trouver le dragon qui brûle nos champs. Rien que ça. Et comment comptes-tu y parvenir alors que le chevalier noir rôde? Je ne sais pas encore. De toute façon, ici, tu ne pourras rien faire sans moi. Ça commence. On devrait chercher ce dont tu as besoin pour suivre le traité d'amour courtois et lui faire quelques présents. Je sens que cette petite peste ne nous épargnera rien. Cette fille ne me plaît pas. On peut pas en trouver une autre? Pouf, crois-moi, elles se valent toutes. Essayons déjà avec celle-là. Ok. Alors déjà, je sais pas d'où elles sortent du tout, mais bon. Tiens, allez, vas-y, prends-le. Réfléchissons. Ah, je peux pas le prendre? Moi, je peux le lire ou pas? Voilà, si je lui montre ça. Ça n'a pas l'air de l'intéresser. Ah! Ma gueule dans les oreilles, l'autre. Ah donc, un chevalier. On ne passe pas. Les bateaux entrent dans le port. Il faudra revenir plus tard. Bon. Je vais lui montrer le truc, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Oui, dans l'autre sens, allez, allez. Non, mais te pose pas, l'oiseau. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors, pris ça, on sait jamais. C'est pour toujours servir à un moment donné. Là-bas, je peux pas y aller. Est-ce que je peux descendre là? Non. Bon, bah, va par là-bas. Continuons tout droit. Passons par le seul chemin qu'il y a à l'écran. Oh, des abeilles. Des ruches. Je ne peux rien prendre. Est-ce que je peux aller taper à la porte? Essayons pour voir. Nous n'ouvrons à personne. C'est l'heure de la messe. Tiens donc. Je crois que je me suis trompé de route. Le jeu ne veut pas que j'aille par là, faisons demi-tour. Non, mais sérieux. Oh, grand Valek, pourquoi est-ce que ce jeu ne veut-il pas que je fasse comme je veux? Espèce d'abruti, tu crois qu'il va réellement te laisser faire comme tu l'entends? Oh, grand Valek. Je prends un chemin différent. N'est-il pas plus intéressant? Le chevalier noir. Halt! Qui va là? Qui êtes-vous? Je suis le chevalier noir et je garde cette grotte. Personne n'y entrera, moi vivant. Et comme je suis invincible... Que gardez-vous si précieusement? Ça ne te regarde pas. Passe ton chemin si tu ne veux pas finir embroché au bout de mon épée. Je reviendrai. C'est sérieux cette histoire? Tu me laisses passer, oui? Comment savoir ce que je pourrais donner? Ok, j'ai une idée. La rose. Que j'ai ramassée juste avant. On va tenter de faire quelque chose. Je tenterai à la fin de l'épisode de voir comment rajuster le lecteur pour qu'on puisse avoir les images. Tiens, bouge pas. La dame là. Tiens. Elle est intéressée ça. Une rose pour toi.
comme je veux. Tu ne crois quand même pas que je vais t'aider avec si peu. Sois gentille. Tu m'ennuies, je t'ai déjà dit de partir. Aïe, ça va pas la tête? Je vais te tuer avec mon épée. Doucement, doucement. Trouvons autre chose. Je la déteste. Elle se croit tout permis. Est-ce vraiment la reine de la forêt d'abord? Oh là là, vous, les humains, vous êtes bien compliqués avec vos histoires. Dieu merci, je n'ai pas à subir ça. Je n'ai pas besoin d'elle. J'irai tout seul. Sois raisonnable, il nous la faut. Bon, elle veut pas de ma rose. La petite salope. Tirer de ce côté-là. Retournons vers le monastère, on sait jamais. Est-ce que le monastère apparaît sur la carte maintenant? Ouais, forêt, monastère, ok. Devant la grotte, il m'occupe là-bas, les champs. Toujours l'heure de la messe, je suppose. Je dérange. On aurait trouvé. Bon. On va aller voir l'autre. Ah, alors, tiens. T'es sorti, qu'est-ce que t'as à m'apprendre, toi, du coup? Alors, as-tu fait preuve de bravoure? Il y a un chevalier noir dans la forêt qui me refuse d'entrer de la grotte. Le chevalier noir est un chevalier indestructible. Il faudra ruser si tu veux entrer. Il est toujours à la recherche de quelque chose. Cette fois, il pense sans doute dénicher le trésor des Templiers. Tu crois qu'il a apprivoisé le dragon? Ce n'est pas impossible, tu sais. Il est capable de tout. Méfie-toi de lui. Et n'use ton épée sur ce vilain que si tu es sûr de toi. Merci de tes conseils. On va voir si quelqu'un est arrivé. Faut qu'il s'arrête, ok, c'est bon. Ok, toujours personne, bien. Dans la tour. Comment vas-tu, Tristan? As-tu vu la femme du Seigneur? Oh oui, elle m'a même donné son traité d'amour courtois. Tu vas pouvoir conquérir toutes les femmes et leur chanter des belles chansons d'amour. Dans le traité d'amour courtois, il est écrit que je dois donner un masque. Où as-tu trouvé le tien? C'est un secret. Mais comme tu m'es sympathique, je te donne ce beau masque de dragon qui a servi pour la fête des fous. Un masque de dragon? Ça alors. Merci, merci. D'accord, c'est un masque. J'ai vu qu'il avait un couteau dans la main. Bon. Là, c'est bon. On retourne dans la forêt. Voilà, on descend. Il faut parler à la bonne personne pour savoir ce qu'il est dit dans le traité de trucs de merde là. Hallucinant. Ah ouais, c'est un masque de dragon, effectivement. Hop.
Ah, elle va être contente. Fais pas la tête. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sybille, reine des bois. Regarde, pour te prouver ma sincérité, je te donne ce beau masque de dragon en gage de ma bonne foi. Pas mal. On pourra peut-être faire peur au dragon avec ça. Alors, d'accord pour m'accompagner? Je vais réfléchir. Elle est coriace, mais il y a du progrès. Je n'y arriverai jamais. Allons, ce n'est rien, rien qu'un petit obstacle de rien du tout. Rappelle-toi la devise des chevaliers: persévérance, vaillance et sagesse. Je ne suis pas chevalier. J'en ai assez. Je veux abandonner. Laisse-moi. Elboud, la solution est sans doute dans le traité d'amour courtois. Ouais, bah j'ai rien d'autre, hein, alors y a pas à mébriser, s'il te plaît. Parce qu'on peut toujours pas passer. Toujours pas, bon. Alors, on va autre chose. Ok. Tout va bien. Pour lui parler sur un autre langage, mais bon, c'est pas grave. On a toujours pas la bague de... Ah si, la bague, on l'a retrouvée, je suis con. J'allais dire, on n'a pas la bague de la reine, du châtelaine, là, mais... Si, si, on l'a. Ok, j'y suis bête. Pour aller par là... Voilà, qu'est-ce qu'il nous raconte? Vas-y, viens aller parler. Déjà revenu de la forêt? Je ne trouve rien. Allons, le découragement ne sert à rien. La reine des bois est la clé du mystère. Tu dois la convaincre de t'aider. Mais encore? Et si j'allais interroger quelqu'un d'autre? Ok. Merci de ton aide, bon. Ok, toujours fermé là-bas. Là, il n'y a toujours rien. Il n'y a rien. Qu'est-ce que je peux récupérer? D'accord, toujours rien. Ça n'a pas l'air d'être le moment. Ok, toujours une chevalier noir qui bouge pas. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau là-bas? Bon, tenter de voir la reine. Qu'est-ce qu'il va nous dire de nouveau, lui? Je reviendrai plus tard. D'accord. Tourner en rond. Ah bah tiens, elle est là cette fois. Elle est plutôt sa tour. Parti à l'aventure. Tu as une mission, il me semble. Oui,
mais j'ai besoin d'un anneau de lumière pour conquérir ma belle. Tu ne crois pas que tu exagères un peu? Mais c'est pour sauver le royaume. Je te confie ce bel anneau à une condition. Si je suis en danger un jour, promets-moi de voler à mon secours. Ma reine, je vous serai toujours dévouée, corps et âme. Ah, ok, ça y est, on a notre truc. C'est quoi? Un anneau, ouais. Pas chiante. Pas chiante. Allez, on va lui donner ça et on va s'arrêter pour aujourd'hui. Regarde cet anneau. Te suffira-t-il pour enfin me suivre? Oh, il est beau! Bon, je veux bien t'aider. D'ailleurs, j'ai une idée. Qu'est-ce qu'elle va encore inventer? Dis toujours. Il y a une grotte dans cette forêt. Un jour, j'y ai trouvé des os gigantesques. Pas un de mes amis à quatre pattes n'est aussi gros. Je me demande encore à qui ils peuvent appartenir. C'est le dragon, c'est sûr. Allons-y, je peux plus attendre. Es-tu prêt à combattre? Et comment? Très peu pour moi. Très bien. Eh bien, on saura ça au prochain épisode, la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Longueur Gamer, ciao ciao. Et retrouve-moi sur les réseaux sociaux et sur Twitch pour les lives. Les liens sont dans la description.